À 22 ans, elle aussi, dans l'actualité de la vidéo, s'intéresse aux films d'action. Ils sont à l'honneur en ce moment. Vous allez avoir plein vos bacs au programme des effets spéciaux, bien sûr, des personnages forts, charismatiques, et puis un peu de castagne quand même. Il faut ça dans les films d'action, cette sélection, donc signée de Marie. Alors attention, 1, 2, 3, allons-y. On commence avec The Salvation, l'Amérique de 1870. La femme et le fils de John, un immigré danois, sont assassinés. Tu parles déjà leur langue ? Ce sera bientôt ton cas. Après s'être vengé, sa tête se retrouve mise à prix. Où est mon frère ? Monsieur de la rue, ce gars-là n'est pas du coin. Vous avez 2 heures pour trouver le mec qui les a tués. Le réalisateur Christian Levrin crée un superbe décor, un western porté par le charismatique Mads Mikkelsen, une Eva Green muette mais excellente et un Eric Cantona en cow-boy. Vous avez été soldat alors ? Oui. Vous avez tout mon respect. Pas de supplément en DVD et Blu-ray, un film plaisant mais qui manque un peu d'originalité. Je t'ai sous-estimé, soldat. T'as beau avoir tué tous mes hommes un par un. Bon sang, je te jure. On continue avec La planète des singes, l'affrontement. Une nation de singes évolués, dirigée par César, est menacée par un groupe d'humains. Ils parviennent à une trêve fragile. Singe ! Pas vouloir faire la guerre ! Réalisation remarquable de Matt Reeves et interprétation impressionnante de César par Andy Serkis. Le casting humain est en revanche plus effacé. On ne vous veut aucun mal ! En bonus du DVD et du Blu-ray, des photos du film et la création de César, avec des effets spéciaux remarquables, le résultat est tout simplement bluffant. Ce ne sont pas des personnes. Nous allons les repousser. Nous allons les mater. Ils ne franchiront pas l'entrée de notre forteresse. On termine avec l'un des blockbusters de cet été, Lucy. Il m'a donné un papier avec un numéro dessus, je sais pas ce que c'est. C'est le code pour ouvrir la mallette. Une jeune étudiante est enlevée par des trafiquants asiatiques. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Contrainte de faire la mule et d'absorber de la drogue expérimentale, elle voit ses capacités intellectuelles se développer. C'est au tour de la sublime Scarlett Johansson d'incarner cette figure essentielle de l'univers de Luc Besson, accompagnée de Morgan Freeman. Vous contrôlez votre métabolisme ? Oui, je peux aussi contrôler le courant électrique et les champs magnétiques. La télévision. Le téléphone. C'est incroyable. En bonus du DVD et du Blu-ray, l'évolution de Lucy et en studio avec Damon Albarn. Un film au scénario prenant et qui reste un divertissement plein d'action. Vous conduisez toujours comme ça ? C'est la première fois que je conduis. Génial.